Let's start. Day 11, a magic morning. Okay. There's one Marcus Aurelius, 110 to 1 to 180, which is a Roman emperor, who said, "When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love." Okay. Donc voilà, on commence notre chapitre numéro 11 aujourd'hui. Un matin magique. Ou une matinée magique, ok. Alors il y a un empereur romain, Marcus Aurelius, qui est né en 121, l'année 121 à 180. Donc il a vécu que 59 ans. Alors il disait, quand vous vous levez le matin, pensez au privilège que vous avez de se sentir vivant, de penser, de jouir la vie et d'aimer. Okay, the easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. Le moyen le plus simple pour vous assurer que votre journée sera bien remplie avec de la magie, c'est de remplir votre matin avec de la gratitude. C'est de remplir votre réveil, je vais dire, avec de la gratitude. Ok, là c'est plus clair. C'est pas le matin, mais c'est plus le réveil avec de la gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. Lorsque vous incorporez de la gratitude dans votre routine matinale, vous sentirez et vous verrez sa magie et ses bienfaits tout au long de la journée. Ok. So, each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time, because you can do it naturally as you go about everything you do. Chaque matin est rempli d'occasions de remercier, et cela ne vous ralentit pas vers le bas ou prendre du temps supplémentaire, car vous pouvez le faire naturellement au fur et à mesure sur tout ce que vous faites. There is an added bonus to filling your morning with gratitude, because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you're doing it. Ça, c'est très important. Il y a un bonus supplémentaire à remplir votre matinée, votre réveil avec de la gratitude. Parce que vos routines quotidiennes sont les moments où vous pouvez nuire à vous-même. Le plus en ayant des pensées négatives sans vous rendre compte que vous êtes
que vous êtes en train de le faire. OK? There's no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. Il n'y a pas de place pour les pensées négatives, nocives, je vais dire, lorsque votre esprit est concentré sur la recherche des choses pour lesquelles on va être reconnaissant. Okay, je prends mon temps pour lire chaque phrase pour que vous compreniez l'importance et la profondeur de la gratitude qu'on va avoir le matin, tous les matins. Et c'est ça qui va vous éviter à trouver des pensées négatives. Et c'est ça qui va vous éviter à créer des pensées négatives dans votre tête, dès le réveil. On a bien dit, si vous voulez que votre matinée, que votre réveil, que votre journée va bien se passer, ben on va commencer d'abord par penser positivement dès qu'on se réveille. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. Après cette pratique, vous allez commencer votre journée en vous sentant plus heureux et plus confiant que la journée à venir sera formidable. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. Et c'est à ce moment-là que vous verrez la magie se produire devant vos yeux. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words thank you. Lorsque vous vous réveillez à nouveau aujourd'hui ou tout à l'heure, on va se lever tout à l'heure de notre place. Donc avant de se lever, on va commencer, avant de bouger, avant de faire n'importe quelle chose, on va dire le mot magique, merci. Même là, on peut en profiter. Allumez vos micros, on va le faire ensemble.